Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Minute Tips, cette fois-ci consacré aux cols et à leur utilisation selon les matériaux. Je vous propose tout de suite de voir en détail notre sélection. En maquettisme, comme en bricolage, pour chaque matériau, il existe un type de colle adéquat. Ainsi, pour vos pièces en plastique, il vous faudra utiliser une colle pour plastique, idéalement de marque Tamiya ou Revell, qui permettra une prise rapide et un assemblage quasi définitif. Pour les pièces en métal, en photodécoupe ou en résine, il conviendra d'utiliser exclusivement une colle de type cyanoacrylate à prise rapide ou lente selon vos besoins. Enfin, pour les pièces translucides, telles que les verrières d'un avion ou le pare-brise d'une voiture, nous vous conseillons d'utiliser une colle vinylique type colle à bois qui n'altérera pas la transparence du plastique lors du séchage. Quelle que soit la colle utilisée, gardez toujours à l'esprit qu'une faible quantité suffit à assembler les pièces et vous permettra de conserver intact l'ensemble des détails de votre maquette. Vous retrouverez toutes ces références dans la description de la vidéo et sur la boutique 1001maquettes.fr.